Hey vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui me passionne, à savoir les briques de construction. En 1932, c'est la marque danoise Lego qui a créé pour la toute première fois les briques de construction. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fil du temps, Lego a perdu certains de ses brevets puisqu'ils sont arrivés à expiration, ce qui fait que certaines marques concurrentes ont été créées pour proposer leur propre set en briques de construction. C'est le cas de la marque américaine Fun Hall qui a été créée il y a un an et demi et qui propose leur propre set en briques de construction, mais pas que, comme c'est marqué juste ici, Delight, Day and Night, ils mettent l'accent sur la lumière. Oui, ils ont intégré la lumière dans leur set de construction et ça, je trouve que c'est une idée de génie. Je trouve ça beaucoup trop bien. J'ai donc été contactée il y a quelques temps par la marque Fun Hall pour savoir si je serais intéressée de recevoir l'un de leurs sets de construction. Donc après des échanges avec la personne ainsi que des recherches sur internet, je suis allée voir les avis, leurs produits, etc. Eh bien, j'ai accepté parce que clairement, vous le savez, j'adore les briques de construction et découvrir de nouvelles marques, ça franchement, j'adore ça aussi. Du coup, j'ai reçu de leur part ce set qui s'appelle New Stand, qui est à l'envers. Donc New Stand, donc c'est un... Vous savez, ce sont les stores, vous savez, les magasins que l'on retrouve notamment à Paris, où vous avez à l'intérieur plein de magazines, des cartes postales, des souvenirs. Eh bien, c'est ça. Et franchement, je trouve ça beaucoup trop stylé. Et comme vous pouvez le voir, oui, eh bien, la lumière est intégrée. Ça, c'est franchement beaucoup trop bien. Pour vous donner un petit peu plus d'informations sur la marque, donc la marque a été créée il y a un an et demi, il propose à ce jour 25 produits différents qui vont de 28$ jusqu'à 155$ et vous avez sur plein de thèmes différents, vous avez plein de petites maisons, des cabanes, vous avez un univers fantasy avec notamment Jack et le haricot magique, vous avez du médiéval, enfin franchement, il y a pas mal de choix, tout est en barre d'informations et donc ce set New Stand est au prix de 41$, donc sur leur site, ils livrent bien sûr aux États-Unis mais également en Europe et on peut aussi les retrouver notamment sur Amazon. Dans cette vidéo, je vais monter ce set de construction et ensuite je vous donnerai mon avis, mon honnête avis. Donc j'ai reçu ce produit gratuitement mais je ne suis pas du tout payée par la marque pour faire cette vidéo. Voilà, je tiens à le préciser. Donc si vous avez envie de me voir monter ce set et aussi eh bien, avoir mon avis, eh bien n'hésitez pas à rester là. Mais avant, générique! J'ouvre la boîte. Donc tout d'abord nous avons donc bien sûr le guide de construction avec toutes les étapes. Ensuite donc ça c'est la lumière j'imagine, 1 et 2, et ensuite tous les sachets. Donc voilà, dans un premier temps le petit personnage. Close to the side where
missing now. Don't know if I dare to follow through. Two steps from the edge, moving closer. In the deep, last upon the disclosure. Chucky Eiffel Tower shines from anywhere. I
l'avantage de ce set New Stand. Je ne sais pas vous, mais moi clairement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce produit. Déjà parce que c'est super facile à monter, j'ai mis à peu près 2 heures à le monter minutieusement. Ensuite donc tout est bien expliqué à l'intérieur du catalogue, et aussi petit plus que je trouve vraiment très très appréciable, c'est qu'en fait vous avez, donc par exemple quand des fois vous avez des pièces qui sont similaires, ils mettent à côté... ou même pas similaire d'ailleurs, par exemple là ils expliquent que là c'est une pièce de 6, donc il y a 6 ronds dessus. Je trouve que c'est vraiment pratique parce que quand vous avez plusieurs pièces avec différentes tailles, ça évite de compter les ronds sur le catalogue, du coup vous avez directement le nombre à côté. Ou par exemple parfois quand vous avez 2 pièces qui sont similaires, et bien c'est marqué à côté la différence en fait entre les 2 pièces. Donc là par exemple ici vous avez donc 1 de 8, 1 de 4. Là pareil, donc là c'est 1 de 12, donc avec 12 ronds, et à côté avec 6 ronds. Je trouve que c'est vraiment appréciable quand il y a quand c'est marqué justement le nombre de ronds à côté. Le gros plus, bien évidemment, c'est la lumière. Je trouve ça juste trop bien qu'on puisse éclairer sa construction. En plus, ce n'est pas juste une lumière placée comme ça au centre pour pouvoir éclairer l'intérieur. Non, c'est vraiment des lumières placées là où il faut, vraiment de façon ingénieuse. Et du coup, ça ajoute vraiment du réalisme à la construction. Et en plus ça, moi qui m'attendais à ce que ça soit un petit peu compliqué, alors... pas du tout, mais pas du tout, c'est extrêmement simple, tout est bien expliqué à l'intérieur du catalogue, ils expliquent à chaque fois où on doit placer le fil, et le fil se place très très bien, et ensuite on doit placer par-dessus des briques spécifiques avec des trous pour pouvoir cacher les fils, parce que oui, tous les fils sont cachés, minutieusement bien cachés. Je vous mets toutes les informations en barre d'informations, bien évidemment. Je remercie encore la marque Funroll de m'avoir fait confiance, et c'est clair que, je vous le dis honnêtement, que je commanderai moi personnellement d'autres sets sur leur site, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai voilà, d'autres sets qui me font envie. Donc là par exemple vous avez voilà, une caravane, vous avez une voiture, franchement je suis beaucoup trop fan, et je lorgne sur celui-là, Jack et le haricot magique. J'aime bien aussi celui-là, j'adore quand c'est fantastique comme ça, fantasy. Donc, et puis en plus ça irait trop bien dans ma bibliothèque. Donc ouais, ça c'est sûr, je commanderai à nouveau moi personnellement sur le site, parce que franchement je suis beaucoup trop fan. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, et je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye.